Il était une fois l'abeille et son habitation, la ruche. La ruche se compose d'un toit, soit plat ou en double pente, d'une hausse, d'un corps et d'une entrée. La portière d'entrée, côté grande ouverture, est enlevée l'été et remise dès les premiers froids pour éviter l'intrusion des rongeurs. La portière d'entrée côté petite ouverture est utilisée lors d'un transport de la ruche pour conserver l'aération. Le plancher ventilé permet aux abeilles d'avoir une ruche exempte d'humidité, mais aussi d'être plus tempérées en été. Elles ont donc moins de travail pour ventiler elles-mêmes afin de conserver une température optimum de 35 degrés. Ce plancher est aussi une solution biotechnique pour limiter le squat du varroa, la tique des abeilles. Un varroa tombant d'une abeille sur un plancher plein aurait la possibilité de continuer à infecter la ruche. Avec ce type de plancher, impossible au varroa de revenir dans celle-ci. Sous le toit, un isolant, un nourrisseur couvre-cadre dans lequel l'apiculteur verse un sirop bicomplet ou dépose du sucre candi. Si les réserves de miel paraissent insuffisantes à l'approche de l'hiver, ou pour un bon démarrage d'une nouvelle ruche. Les outils indispensables à l'apiculteur sont l'enfumoir, le lève-cadre, le lève-cadre pince. Allons maintenant rendre visite aux abeilles. L'apiculteur et ses invités, pour se protéger d'éventuelles piqûres, enfilent soit une vareuse, soit une combinaison blanche, couleur apaisante pour l'abeille. Un casque muni d'une voilette complète la tenue. Les mains sont protégées par des gants. L'apiculteur ajoute des gants en latex, il les changera si une ruche s'avère être malade. Dans l'enfumoir, l'apiculteur met des herbes sèches et les enflamme. Il actionne le soufflet pour produire une fumée blanche. Celle-ci dérangera les abeilles qui se gorgeront de miel et seront moins agressives. Quand l'enfumoir est prêt, l'apiculteur plonge son lève-cadre dans l'enfumoir pour le désinfecter. Quand il ne l'utilise pas, il l'accroche contre le corps de l'enfumoir pour maintenir une prévention continue. L'apiculteur soulève le toit de la ruche et avec son lève-cadre, il détache le nourrisseur. Qu'y a-t-il dans la ruche? Ça, c'est une autre histoire.